Salut à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo vous me verrez retracer mon parcours de mes 2 ans sur YouTube. Il ne s'est pas passé grand chose mais assez pour en faire une vidéo. Cette vidéo va taper en plein dans mon ego donc c'est avec tristesse que je lance l'intro. À l'aube de ses 14 ans, Tricheur joue tranquillement à The Elder Scrolls Online. Oui, je sais, on fait tous des erreurs. Bref, c'est alors qu'il rencontra un problème majeur. Il ne trouvait pas la forge de Julianos. Outré, Tricheur se mit à la recherche de cette forge sur YouTube. Ne voyant aucune vidéo abordant ce sujet, il eut une idée innovante. Être le premier à faire cette vidéo. Croyez ce que vous voulez, j'avais plus de détermination que jamais. C'est alors que Tricheur rencontra un autre problème. Il n'avait pas de quoi faire cette vidéo. C'est alors que, muni seulement d'une Xbox One et d'un charisme sans limite, il découvrit Upload Studio, cette merveilleuse application de montage. Ayant peur des réactions de sa voix divergente, il décida de communiquer à l'aide des signes. Après cette publication, Tricheur était comblé. 20 vues, c'était un truc de fou. Se disant qu'il avait percé le secret du YouTube Game, il continua sur The Elder Scrolls Online. En y mettant ainsi sa voix et exposant son avis de merde à tout le monde, bien sûr les vidéos n'étaient ni écrites, ni montées, ni animées, bref, c'était de la merde. C'est alors que la magnifique personne que j'étais voulut faire un effort pour sa communauté de 15 personnes, et du coup, essayer comme un con de parler sans faire trop de blanc. Alors, à part si vous avez une apnée illimitée, c'est tout bonnement impossible, et ça sonne d'une manière dégueulasse. Mais ma communauté le remarqua et apprécia. Ensuite, le buzz produit ne suffisait plus à alimenter cet ego surdimensionné. Donc, le petit tricheur voulut toucher aux tendances et commença à faire des glitches, faisant de son mieux pour expliquer, même si certains étaient durs d'oreille. Donc, au fur et à mesure, il mixait entre build et glitch, des choses qui marchent, mais ce qu'il appréciait par-dessus tout, c'était le pouvoir. Non, en vrai, c'était la communication. Le franc-parler des abonnés, qui parfois pouvait heurter son petit cœur sensible, mais après, il sut reconnaître les commentaires utiles ou encourageants, les commentaires méchants ou inutiles. Voyant sa communauté grandir, bon, grandir au ralenti, hein, je suis pas Mixem. Mais voilà, voyant tout ça évoluer, il voulut évoluer aussi, ainsi il s'est acheté alors un PC pour faire de meilleurs montages et ainsi avoir une meilleure qualité de vidéo. Donc Tricheur avait maintenant la possibilité de faire tout ce qu'il voulait sans être limité par Upload Studio. Et là il voulut changer, car une de ses passions dominantes commença à prendre de l'ampleur. Donc à partir de ce moment, il réfléchit longtemps même, parce que c'était totalement en rapport, mais la suite vous la connaissez. Ou pas. Mais du coup, je me suis lancé dans le concept manga et animé et finalement, je suis content. Depuis lors, j'essaie de perfectionner mon montage. J'espère que ça se voit d'ailleurs. J'ai pris cette décision car je me suis rappelé de pourquoi j'avais encore cette chaîne. La base de la base est de partager ma passion à ceux qui le veulent bien ou ceux qui partagent celle-ci. J'aimerais faire à présent une parenthèse pour vous parler de mon Instagram, car au-delà de kiffer tout ce qui est manga et animé, une de mes autres passions aussi est le dessin. Aussi, je poste cela sur mon compte Instagram pour ceux qui sont intéressés, c'est dans la description. Je pense avoir bien retracé mon parcours qui fait de moi ce que je suis maintenant. C'est-à-dire un youtubeur exceptionnel. Non, je déconne. Je tiens à vous remercier encore d'être sur cette chaîne, car souvent je vois des chaînes YouTube au même nombre d'abonnés que moi et qui se tapent souvent des 15 vues sur la vidéo, et c'est dans ce genre de moment que je me dis putain, j'ai de la chance. Donc merci encore. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. J'ai oublié un truc là. Ouais, abonnez-vous si vous pouvez.